会はナンポルト、司会のガリです。今日のリストはノーライフニュース、ゲームレビュー、ユヌメニットルパルエアニメリリース。まず最初はノーライフニュースから。Très attendu par les joueurs consoles, Guitar Hero 3 Legends of Rock va connaître un portage surprenant sur PC et Mac. Le studio Aspyr sera en effet responsable de l'adaptation de ce fabuleux titre. Le jeu devrait être en tout point similaire aux autres versions et possédera évidemment sa guitare USB. Pour mettre la main dessus, il faudra attendre le 23 novembre prochain. Le MMORPG coréen Rising Force Online est devenu complètement gratuit. À l'heure où l'abonnement aux jeux en ligne coûte un prix certain, on ne peut que se réjouir d'une telle nouvelle. Pour s'inscrire et accéder au jeu, rien de plus simple. Il suffit de créer un compte sur le site Codemasters Online Gaming, puis de récupérer une clé qui demeurera valide au-delà de la période d'essai. Reste enfin à télécharger le client et le tour est joué. En revanche, pour ceux qui possèdent déjà un compte, une simple connexion suffira pour le réactiver. Basé sur l'œuvre de Matsumoto Reiji, Captain Harlock, ce film est une création indépendante réalisée par des fans. D'une qualité tout bonnement hallucinante, cette production réussit à nous replonger dans l'ambiance si particulière qui fait toute l'originalité tant du manga que de l'animé. Nouvelle de dernière minute, la jolie Makilinka sera en concert demain à partir de 8h à la Guillotine à Montreuil. Le sixième volet du célèbre Beat'em All Dynasty Warrior connaîtra au Japon une sortie simultanée sur PS3 et Xbox 360 courant novembre. Dans cet opus, la principale innovation ne viendra certainement pas d'une retouche au niveau du style si caractéristique du jeu, tradition oblige. Pour trouver trace d'une réelle nouveauté, il faudra plutôt tabler sur la refonte graphique nécessaire avec l'arrivée des consoles de nouvelle génération. Pour finir, voici une vidéo tirée de Castlevania The Dracula X Chronicles sur PSP. Cet épisode de la série est en fait un remake de celui sorti sur PC Engine en 1993. Histoire d'avoir une édition complète, le titre proposera tout de même dans ses bonus la version originale du jeu, ainsi que le très bon Symphony of the Night sorti à l'époque sur PS1 et Saturn, rien que ça. ゲームレビューのコーナーです。ゲームといえばバイオハザード、怖くて途中でやめました。それではゲームレビュー、いってらっしゃい。Le wargame au tour par tour est un genre qui a connu son heure de gloire sur PC au début des années 90. Directement adapté des jeux de plateau avec figurines, il proposait de revivre d'épiques campagnes militaires sur un damier au gaz hexagonal. L'éditeur SSI notamment avait fait du genre son fonds de commerce avec sa série des Generals, débutée par le mythique Panzer General dès 1994, mettant en scène les grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Parmi la multitude de déclinaisons de cet opus fondateur, la plus intéressante était sans doute Fantasy General en 1996, qui transposait le gameplay de la série à un univers médiéval fantastique. On y trouvait des dizaines de factions, d'unités de sort, de longues campagnes et une bande-son de toute beauté. En revanche, visuellement parlant, le jeu était plutôt rebutant, et c'est un euphémisme. Il était donc plus que temps que quelqu'un se décide à remettre le concept au goût du jour, avec tout le strass et les paillettes qu'on est en droit d'attendre de nos PC hors de prix. Ça tombe bien, c'est exactement ce que propose Fantasy Wars. Il y a 600 ans, dans le monde magique d'Ilis, le héros Marcus était parvenu au prix de sa vie à bannir le démon Pharak. Mais comme les lois de l'héroïque fantasy sont immuables, voilà que l'ombre du mal revient planer sur ces contrées jadis verdoyantes. Les orques, dont les clans belliqueux ont fini par s'unifier, déferlent sur les royaumes des hommes, annonciateurs d'une époque de ténèbres.
Ouais, comme d'hab quoi. Le jeu propose trois campagnes, dont deux sont accessibles dès le départ. Ces deux premières campagnes mettent en scène les humains, menés par le capitaine mercenaire Derek File, un obliot sans sous-vaillant qui gagne sa vie en tant que soldat de fortune, sans lien de parenté avec le personnage incarné par Horst Tappert, fort heureusement. Et les orques, histoire de changer de point de vue sur un scénario que l'on qualifiera charitablement de « très classique ». Une fois ces deux campagnes terminées, le joueur aura accès à une troisième campagne, dont les héros sont, bingo, les elfes. Bon, l'univers de Fantasy Wars ne gagnera sans doute pas le prix de la créativité, mais c'est l'aspect tactique qui fait tout le piment de ce genre de titre. Fantasy Wars est donc un wargame au tour par tour. Cela signifie que le joueur contrôle différentes unités capables d'accomplir certaines actions. Marcher, attaquer si un ennemi se trouve à portée, lancer des sorts, et ainsi de suite. Lorsque toutes les unités ont fini d'agir, le tour se termine. C'est alors à l'adversaire de déplacer ses troupes, et ainsi de suite. Rien de très compliqué en somme. La plupart des unités peuvent accomplir un déplacement et une attaque par tour. Le jeu propose un bestiaire plutôt diversifié, réparti entre plusieurs catégories. Unités de mêlée, d'attaque à distance, éclaireurs, machines de guerre, cavalerie, mages, unités volantes. De quoi varier les plaisirs et multiplier les stratégies. Parmi les troupes, les héros sont des personnages uniques. Plutôt puissants mais également vulnérables, leur perte signifiant souvent la défaite, ce qui oblige à les garder loin du front. Histoire de ne pas ruiner bêtement 3 heures de jeu, parce que cet idiot de Derek s'est fait défoncer le crâne par un éclaireur orque qu'on n'avait pas repéré. Heureusement, la sauvegarde automatique est là pour rattraper les dégâts. En affrontant l'ennemi, les unités gagnent des points d'expérience, puis montent en niveau, permettant l'achat de nouvelles compétences. Une unité expérimentée étant toujours plus performante qu'une bande de bleus, il devient alors vital de maintenir ses troupes en vie. Suite au combat, les unités voient leurs effectifs diminuer, tandis que leur rang se parsème de blessés ou de morts. S'il est possible de remettre les blessés sur pied en passant son tour, si possible loin du fracas des combats pour plus d'efficacité, les morts ne peuvent être remplacés que par de la chair fraîche, ce qui entraîne une baisse de l'expérience globale de l'unité. En contrôlant des villages et des forteresses, ainsi qu'en investissant les bâtiments neutres qui parsèment les niveaux et recèlent de nombreux trésors, le joueur obtient des devises qui lui permettent de recruter de nouvelles troupes. Ces nouvelles unités doivent être déployées aux alentours des cités alliées, dans la limite de population imposée par la mission. C'est d'ailleurs le seul aspect gestion dans Fantasy Wars. Pour remporter la victoire, le joueur doit accomplir un certain nombre d'objectifs à chaque mission. Il peut s'agir d'éliminer tous les ennemis, un adversaire spécifique ou encore de capturer un château. S'il parvient en plus à triompher rapidement, il reçoit un classement spécifique, or, argent ou bronze, qui lui octroie des bonus supplémentaires pour la mission suivante. Cela ajoute un peu de rejouabilité au titre, mais ça ne suffit pas à faire oublier son principal défaut, son manque d'originalité. Au bout de quelques missions sans surprise, servies par un gameplay paradoxalement bien trop rodé, on commence à franchement s'ennuyer. Les différences entre les divers camps ne sont pas flagrantes, les stratégies ne se renouvellent pas, et les graphismes plutôt jolis bien qu'un peu carrés n'apportent finalement pas grand-chose, si ce n'est qu'on a enfin plaisir à regarder tous nos petits soldats s'entretuer gaiement. Enfin, le jeu propose également un mode multijoueur en LAN ou connexion directe, ou en hot seat, c'est-à-dire chacun son tour devant un même ordinateur, ce qui est toujours sympathique à condition de ne pas avoir peur des parties de 6 heures. Que peut-on dire de Fantasy Wars? C'est un titre sans grand génie, mais sans grand défaut non plus. Servi par une réalisation honorable, il satisfera certainement les nouveaux venus à l'univers du wargame et lassera rapidement les habitués. Reste qu'on a affaire à un jeu de stratégie honnête, joli et bien conçu, qui plus est représentatif d'un genre qu'on croyait oublié, ce qui lui permet d'office de se démarquer de l'océan des titres de stratégie temps réel qui se réservent de plus en plus aux épileptiques du clic. En comparaison, Fantasy Wars, c'est un peu la tactique tranquille, la stratégie pépère. Mais côté plaisir de jeu pur et dur, il ne reste qu'un outsider sympathique, à la traîne derrière les grosses pointures que sont Advance Wars ou Heroes of Might and Magic. Aujourd'hui, dans 10 minutes, on va parler de... Excusez-moi.
c'est des répétitions. Mais j'adore. On va parler des grains de beauté. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ettenbrook, bonjour. Bonjour. Et vous êtes... Vous êtes beau. Non, pas du tout. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais ouais, moi, je ne vous trouvais pas beau. Mais mon assistante, elle m'a dit qu'elle vous kiffait un max, qu'elle vous trouvait beau. Donc, c'est vrai. Ça serait vraiment inespéré. Bah écoutez, si vous voulez, pour la punir de s'être trompée, j'organise un rencard avec vous et puis vous pourrez peut-être faire... C'est une vraie femme. Ah oui. Ah non, mais ça m'intéresse grave, hein, parce que là, la masturbation, ça a bien 5 minutes, mais là, ça fait 5 ans quand même. Ouh ! Donc, alors, les grains de beauté, quoi qu'est-ce les grains de beauté ? Pourquoi on appelle ça des grains de beauté alors que c'est quand même super moche ? Ça remonte à la guerre de sécession. En Alabama, en fait, les soldats nordistes fans de hip-hop, il faut rappeler qu'à l'époque, le hip-hop était interdit. Hein. Ah, oui. Et donc, les fans de hip-hop, pour se reconnaître entre eux, ils se collaient des taches de merde sur le visage. Quelle charmante idée ! Et il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient que leur courage et de la merde. Et il en fallait du courage pour avoir de la merde sur la gueule. Et donc quel est le rapport avec le grain de beauté ? En fait, il n'y en a pas. C'est seulement en 1978, lors du tournage de la deuxième saison de La Croisière s'amuse, un épisode, le fameux épisode où le commandant Stubbing était en short. Je vous coupe, mais le commandant Stubbing ne portait jamais de short. C'était Gopher. Non, mais si. Des fois, il était habillé en capitaine, mais des fois, il avait un short. Non. Quand il est... Si. Non. Bon. C'est Gopher. Ok. C'est Gopher. Alors, on va dire que l'épisode, il a jamais été tourné et que le commandant Stubbing, il était sur la plage avec sa petite amie et il n'y avait pas de caméra et voilà, personne ne l'a vu. Ça vous va ? Ok, allez-y. Et voilà, bah donc le capitaine Stubbing, il était en. Commandant Stubbing. Alors, c'est quoi le rapport ? Bon, je sais pas. Et sinon, le médecin dans La Croisière s'amuse, le médecin, vous voyez Adam Breaker. Voilà, celui qui ressemble à un grain de beauté avec des jambes. Comment ça se fait qu'il se faisait plein de filles alors qu'il était super moche ? C'est les scénarios qui le rendaient beau. Excusez-moi, vous êtes qui ? Je suis Inyo Montoya. Tu as tué mon père. Tu vas mourir. Salut! Ah ouais, il m'avait dit, mais vous êtes vraiment super moche. Vous êtes vraiment une femme, c'est sûr? Ok, bon bah. On y va. T'as des capotes? Bon bah. Allez.次はアニメリリース。僕は子供の頃からアニメは大好きでしたが、中でも北斗の拳が大好きで、アニメと単行本全部持ってます。ということで、アニメリリース、どうぞ。 Si Gundam Seed, la série originelle, était établie sur les bases du tout premier Gundam, sa suite, Gundam Seed Destiny, a créé sa propre voie parmi les classiques du genre, en utilisant habilement le duo de héros, Killa Aslan, dans un contexte politique chargé en intrigue. Ce volume 8 comprend les épisodes 36 à 40, et on commence à se rapprocher de la fin de la série. Aslan réalisait déjà à la fin du dernier volume que le régime en place de Zaft ne correspondait en fait pas vraiment à ses idéaux et va carrément refuser de servir de pantin au président Durandal. Les épisodes de ce volume correspondent en fait à une mise à niveau des équipements et mobile suits de chaque camp. C'est l'apparition du fameux Gundam Destiny pour Shin et un tout nouveau Freedom pour Killa. Chaque pilote y trouve son compte. L'affrontement final est presque palpable. Et c'est tout à fait bienvenu, sachant que Destiny est une série qui a quelques longueurs sur sa première partie. Les choses sérieuses vont commencer. Dans les bonus, on trouve des fiches de personnages sur les mobile suits ainsi que les nouveaux génériques sans crédit. Au niveau audio, sont présentes les versions anglaises, japonaises et françaises. Et l'on préférera regarder ce DVD en VO sous-titré. Gundam est un dessin animé mythique pour les Japonais. Apparue en 1979, la première série avait frappé le Japon très fortement, beaucoup plus encore que Goldorak en France. Car si les forces de Vega font des méchants détestables, Gundam est beaucoup moins manichéen. L'homme y affronte tout simplement l'homme, mettant en opposition plus précisément les Terriens contre les colonisateurs de l'espace. Et l'ambiance de la série est dramatique.
Gundam est donc extrêmement intéressant à découvrir. Mais la série de 79 accusant son âge graphiquement, nous n'avions eu droit en France qu'à des remakes ou à des séries dérivées de très loin. Ce manga est peut-être le meilleur moyen d'aborder facilement le Gundam des premiers jours. Il est l'œuvre de Yasuhiko Yoshikazu, qui est le dessinateur des personnages de la série. Graphiquement, on est complètement dans le ton. Dans cette série, on suit le parcours d'Amuro, un jeune garçon pilote par défaut du prototype de robot le plus avancé de la Fédération Terrienne, le Gundam. Il est à bord du White Base, un vaisseau militaire qui tient plus de la base de réfugiés que du navire de guerre. Ce volume voit le White Base sur Terre naviguer dans les lignes adverses alors qu'il venait juste de se réapprovisionner. Alors qu'il arrivait à se débrouiller jusqu'ici, Amuro va affronter cette fois des vétérans du camp adverse et va devoir se remettre en question. Gundam The Origin est un titre bien pratique pour ceux qui veulent découvrir pourquoi Gundam est si influent dans la production japonaise. そろそろ、別れの時間になりました。フランスは僕ら空港降りた瞬間からすごく熱い街だなと思ったので、またぜひ刺激を受けに来たいと思います。また会いましょう。刺激的な街でした。また来ます。もうちょっとフランス語を勉強していきます。 ありがとうございました。さよなら。バイバーイ。